Terre de mes études secondaires et universitaires. Terre de mes études secondaires et universitaires. Terre de mon milieu professionnel. Terre de mon milieu professionnel. Terre où je vis actuellement. Terre où je vis actuellement. Terre de mes affaires. Terre de mes affaires. Que toutes les paroles. Que toutes les paroles. Qui ont été prononcées. Qui ont été prononcées. Contre moi. Contre moi. Qui ont été prononcées. Qui ont été prononcées. Tu es, tu dois croire que tu es plus virulent que je suis.
la grâce de tout ce qui sont de la nouvelle alliance. Amen. Nous allons encore insister sur les paroles. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les paroles qui ont été dites à ton sujet, alors que tu étais simplement en temps ont créé des ravages, vous ne pouvez pas imaginer. Ce qu'on va faire va insister sur les paroles. Vous ne pouvez pas imaginer. Voyez-vous, je pense l'avoir déclaré ici dans un de mes messages. Dans certains villages, vous avez des personnes d'un certain âge qui prennent la poussière, qui parlent à la poussière, et qui relâchent la poussière, qui souffrent dessus. C'est un mandat. Vous avez aussi certaines femmes possédées par le diable. Parfois, à votre insu, en fait, se déshabillent et frottent leur postérieur sur le sol en relâchant des paroles. Ce sont des messages maléfiques qu'elles relâchent à la terre contre toi. Oh, ce sont des choses que tu ne connais peut-être pas. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tu vas relâcher cela. Tu vas à nouveau animer cela. Parole. Parfois, vous avez des personnes qui ont une malignité subtile. Et qui, parfois, dira, au moins toi, tes enfants réussis. Au moins toi, vraiment, au moins toi. En fait, en vérité, il est en train ou elle est en train de relâcher quelque chose sans que tu ne le saches. Au moins toi, elle s'est quand même mariée. Ah, au moins toi. Ah, il a quand même eu le bac. Au moins toi. Mais ce qui est bien, c'est que, quel que soit ce que elle ou il a eu à dire, toi, tu as le pouvoir d'annuler cela. Amen. Durant ton esprit, n'oublie pas que Dieu est un esprit. Tu as une âme et tu vis dans un corps. Alors, tu reprends, tu te repositionnes dans ta dimension esprit. Tu répètes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Day. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Lorsque day, tu vois la terre. Tu dois voir la terre. Ne déclare pas seulement sans voir. Tu dois voir. On va reprendre parce que certains n'ont peut-être pas vu la vision de ce qu'ils disent. La terre de ton village, etc. Terre! Écoute ma voix! Écoute ma voix! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Quand toute parole maléfique, qui me condamnait, qui me prédestinait, qui me prédestinait, je vais chaque répété. Contre mon travail, contre mon engagement avec Christ, maintenant,
Augmentera. Amen. Ensemble. Amen.
Yeah. Oui. Est-ce que si on a pris la terre de là où on est né, par exemple le Gros Maritime, mais que d'origine nos parents sont de la Langonier, est-ce que ça vaut mieux toujours? Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est le prolongement. C'est tout le Gabon. Il a pris la terre de là où il loue. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous priez, vous devez avoir la vision de votre village. Amen. Yes. Ok. C'est bon, on peut rentrer, tout le monde comprend. On peut rentrer parce que là, dès qu'on va rentrer, vous pouvez vous poser des questions. Parce que même moi-même aussi, je devais changer de dimension. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Bien. On a les yeux fermés. Fermez les fenêtres de votre corps et ouvrez la fenêtre des yeux de l'esprit. Quand vous parlerez du soleil, voyez le soleil. Et quand vous parlerez de la lune, voyez la lune. Ne répétez pas seulement, mais vous devez voir en esprit ce que vous composez de votre bouche. Bien. Quand vous parlerez de l'année 2024, vous voyez déjà 2024, parce que c'est dans quelques jours. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Selon l'autorité qui m'a été donnée. En Jésus-Christ. En tant que fils du Dieu vivant. Racheté par le sang de Jésus. Année 2024. Vous voyez l'année. Soleil de 12 mois de l'année. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. 2024. Lune des 12 mois de l'année. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Étoile des 12 mois de l'année. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. 2024. Terre de 2024. Sur laquelle je marcherai. Janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. November. Décembre. 2024. Fleuve. Rivière. Vite. Océan et mer. Puisque nous sommes aussi à l'estuaire, parlons du Congo. Au nom de Jésus. Toutes ces entités. Éléments de la création. Enregistrés. Sauvegardés. Mes paroles. Parlez maintenant. Au nom de Jésus, je te gloire.
malheur. Aide à venir. Aide de l'espérance. Au nom de Jésus. J'ordonne à ma tête. 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 D'enregistrer. D'enregistrer. Les sons les garder. Les sons les garder. Dans vos mémoires. Dans vos mémoires. Vie en abondance. Sa vie en abondance. Santé en abondance. Santé en abondance. Propriété en abondance. Est terrorisé. Yes. Ce sont des choses qui appartiennent aux hommes matures, aux hommes faits. Ce type de connaissance, si tu l'enseignes aux bébés, ils vont rien comprendre. Ils vont penser que tu appartiens à notre côté. Alors qu'en vérité, ce sont eux qui ont volé sur nous. Amen. Alors, nous allons passer à une phase fatidique. Tu vas faire alliance avec la terre. Alors, on ne fait pas alliance sans sacrifice. Tu vas sortir sans sacrifice. Ce sacrifice est rattaché à ta famille. S'ils sont là, viens autour de toi. Si tu es des enfants autour, donc, oui, il n'y a pas de problème, dans l'esprit, sans même, il aurait été mieux qu'il soit, mais il n'y a pas de problème. Donc, vous avez donné des ordres à la terre. Il faut tisser alliance. Parce que la terre écoute un langage, le langage de l'alliance. Ceux qui ne se sont peut-être pas préparés, il n'y a pas de problème, prenez-vous, viendrez me voir en... J'appelle ça comment? Vous viendrez me voir... faites tout pour qu'avant 2024, vous me voyez. Amen. Parce que l'alliance est faite par rapport à la nouvelle année. Donc, vous sortez donc des rangs. Les enfants se retrouvent autour de leurs parents. Vous
Et vous allez faire des déclarations en répétant ce que je vais dire. Yeah.
les choses, je voudrais quand même donner une honneur. Les choses de l'esprit ne se font pas, en fait, il est important de comprendre que ce n'est pas quelque chose qui doit se faire en tout temps. Amen. C'est sous une directive, sous la direction du Saint-Esprit ou sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et encore faut-il être sûr que c'est le Saint-Esprit qui le veut. Donc, quelqu'un c'est-à-dire, tu te lèves un beau matin et puis tu manges. Je vais en faire maintenant un message permanent. Ce n'est pas un message permanent. C'est vraiment important que vous compreniez cela. Amen. Ce n'est pas un message permanent. Ce qui vient d'être fait partie un peu de ce qu'on appelle les actes prophétiques. Amen. Amen. Donc, le faire tomber dans l'erreur de faire ça maintenant tous les mois, tous les jours, etc., ça peut rentrer dans une forme de formalisme, en fait. Et ça va perdre, en fait, de son efficacité. Et on va virer à autre chose. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, je tiens à le dire pour que vous compreniez que nous, je disais dans le message que vous remarquerez dans la Bible que c'est une seule fois que Josué a parlé au soleil, il a aussi parlé à la lune pour qu'il s'arrête. Les autres combats qu'il a menés, il n'a plus demandé au soleil de s'arrêter. Est-ce qu'on est d'accord? Vous remarquerez que lorsque Jésus va se faire face à un aveugle, il va prendre la terre, il va cracher dessus, il va former une pâte, il va oindre les yeux de l'aveugle, il a fait qu'une seule fois. Est-ce qu'on comprend cela? Donc c'est vraiment important. Donc, vous comprenez que ce ne sont pas des choses où on se lève un beau matin, bon, le 29 décembre, on avait fait ça à l'église, et puis bon, je vais maintenant le faire comme ça, etc. Non, attention. Parce que pour ne pas, en fait, se retrouver dans une forme de même hérésie, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, ce sont des choses très sensibles qui peuvent être faites là. C'est très, très, très sensible. Donc c'est pourquoi il est toujours important de faire appel. Il y a des domaines où il n'y a que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui peut discerner si c'est ce qu'il faut faire. Vous comprenez cela? Parce que tous les combats ne se ressemblent pas. Donc, je ne voudrais pas entendre que dans le quartier, vous devenez maintenant des parleurs de terre. Dieu vous a pas dans ce monde, dans notre église, on parle à la terre. Hein? Attention. Amen. Donc, soyez conduits par le Saint-Esprit. C'est important, c'est proche de notre personne, pour qu'il n'y ait pas de l'amalgame. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça veut dire que c'est une seule fois qu'il faudra le faire? C'est pas ce que je veux dire non plus. Mais le Saint-Esprit peut inspirer et dire, voici ce qu'il faut faire. Et là, il faut toujours, comme on le dit la Bible, il est écrit, éprouver. Qui est en train de m'inspirer? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Voilà, voilà, dès cet instant, j'ai besoin de me référer à qui? À l'homme ou à la femme de Dieu. Amen. Et là encore, je voudrais quand même vous dire
Tous ne travaillent pas dans cette dimension. C'est une question des choses que l'on a. C'est comme M. l'a pu le dire, tout le monde est peut-être, il existe, il y a plusieurs médecins, mais il y a des spécialistes. Amen. Amen. Si tu vas voir un ophtalmo, alors que tu as besoin d'un dentiste, l'ophtalmo ne verra rien du tout. Ce n'est pas son domaine. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas vraiment mal à la dent? Si tu as mal, mais c'est un dentiste qui peut traiter ça. Est-ce que nous allons comprendre cela? Amen. Donc, pour qu'aussi ce qui vous a été enseigné ne soit pas détruit ou déraciné par celui qui ne comprend pas et qui ne connaît pas. On a été à une cérémonie de mariage. C'était quand? Avant-hier, mercredi. Cette personne est suivie par une communauté dont le genre de travail que nous faisons ici n'a pas été fait. Parce que, bon, comme on dit, chacun a reçu ce qu'il a. Pendant que nous sommes à table pour attendre les mariés, voilà comment on vient nous appeler. Ah, la mariée commence encore. Non, pas qu'elle ne respecte plus. Elle. La mariée. Et voilà comment maintenant, séance contre la délivrance forcée. Non, mais non. Non. Voilà, cause avant de rentrer. Mais béni soit le Seigneur qui a écouté nos prières et qui l'a. Vous comprenez cela? Il y a des choses dans des familles. Il y a des choses. C'est-à-dire que de toute ma vie, on pourrait la marier ou bien le marier. Non, c'est quand même. Et c'est quand même son jour. Comment vous choisissez ce jour-là pour lancer le même ici? Bref, donc nous bénissons donc le Seigneur pour ce qu'il a fait. Gardez ce qu'il nous a donné. Amen. Amen. La porte est encore ouverte jusqu'au 31. Ceux qui n'ont pas pu faire aujourd'hui, ne vous en faites pas. Le dimanche, nous réserverons une séance pour cela aussi, pour faire le même service. Amen. Amen. Bien. Donc, nous sommes arrivés au terme de ces moments. Nous avons prévu arrêter à 22h01. Là, il est 22h30 parce qu'on a commencé avec un peu de retard, c'est tout à fait normal. Amen. Bien, on va donc se lever et ensuite nous allons rendre grâce à Dieu. Chacun va remercier le Seigneur pour ce qu'il doit avoir reçu du Seigneur dans ces moments.